Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est le 55, 56, attendez je vérifie, 57 je crois, que c'est 57e épisode, si je vous dis pas d'annerie. Là je suis en train de, je viens de vous mettre en ligne le 56e je crois, attendez je jette un petit coup d'œil sur l'ordinateur d'à côté, je vérifie tout ça. C'est bien ça, je viens de vous mettre en ligne le 56e, donc on est... Bon, j'allais dire on est samedi, non, on n'est pas samedi, on est quel jour? On est vendredi. En effet, on est vendredi 8 mai. Bon, excusez-moi, hein, c'était un petit peu relâche ces derniers temps. Vous avez eu qu'un seul épisode la veille. Enfin, la veille du jour où je mettrai en ligne cette vidéo. Donc ouais, c'est un petit coup d'essoufflement parce que c'est vrai que on attaque la partie un peu chiante du jeu, là. Devoir enchaîner les sièges. Moi, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, enfin c'est amusant hein, que ce soit dit, hein. Mais c'est tellement chiant, c'est tellement chiant de devoir rouler sur une faction. Déjà contre la Vlandia, j'avais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de, je vois passer beaucoup de seigneurs sur le côté là. Ah, la chasse a commencé. Allez-y mes amis, faites-vous plaisir. Alors, pour rappel, on s'était quitté sur la... C'est plus une guerre, c'est une purge. C'est une purge, les amis. Et c'est une purge qui est pas si évidente que ça. Hein. Là, vous allez voir la cité, là, elle est plutôt bien gardée. Je vois qu'il y a du l'archer palatin. On va vous montrer, enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors, au niveau des clans, on voit que je suis la... J'ai la faction la plus puissante, avec 10 membres. Sachant que dans les 10 membres... 1, 2, 3... 4, 5, 6, ouais. 7, 8, 9, 10. Il ne compte pas mes enfants. J'ai 6 fiefs. Et vous voyez que ça commence à me rattraper derrière. J'ai pas le monopole des fiefs. Donc pour l'instant, le Joe, enfin Saladin, alias Joe, on fait profil bas. Franchement, on s'écrase et tout. J'ai que 35 défenseurs Oh, ça... C'est pas bon, ça. Pourquoi j'ai que 35 défenseurs? Ah oui, je crois que je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par les Acerai ou les Cusates. À un moment donné, j'avais vu le message. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, donc, je vous explique. On est toujours en guerre quasi totale. Je suis en trêve contre les Cusates. Je suis en trêve contre les Acerai. Purée, ils ont pris du poil de la bête. Hein. Ils se sont gavés sur mon dos. Hein. Ils se sont gavés sur le dos de la bête, eux. Les Cusates, c'est pareil. La Batania, c'était bien gavé. Mais je suis en train de leur rouler dessus et... Vous voyez là, deux prisonniers. Ouais, sauf que là, ce qui devrait marquer, c'est prisonniers exécutés. Parce que le nombre de seigneurs Batanians, ou Bataniens, vous les appellerez comme vous voulez. Moi, je dirais les pardon. voilà, moi, je leur ai juste coupé la tête. Voilà, donc maintenant, je suis sans pitié. Les seuls pour lesquels j'aurais peut-être encore un peu de pitié, ce seraient les Acerai. Et l'Empire du Sud. C'est les seuls. C'est deux factions. Acerai, Empire du Sud. C'est les seuls pour qui je vais faire preuve de pitié. Voilà, ce soit dit. Les Cusates, les têtes vont voler. Les Batania, les Batanians, leurs têtes vont voler. Les Vlandians, ils n'existent plus. Voilà, donc... Voilà. Donc, soyez prévenus, l'Empire du Sud. Pareil gare pour Belle Maman... Et la faction qui m'a vu naître, non, parce que d'origine dans le lore, je suis Vlandian. Mais bon, voilà. Donc, par égard pour Belle Maman et pour mon épouse, voilà, j'éviterai de faire voler les têtes de trop d'impériaux du Sud, quoi qu'il n'y reste pas grand-chose. Les gars, vous pouvez venir, hein, moi je vous attends, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez quoi? Finger in the nose, hein, comme il disait l'autre, les doigts dans le nez. Hein. Je vérifie qu'il soit pas assiégé quand même. Non, j'ai pas l'impression. Non, parce qu'on la connaît la musique. Hein. Je parle, et puis derrière ça assiège comme des gorées. Niveau nourriture, on commence à être un peu léger. Hop, on déplace vers la réserve. Et on voit là. Un coup de trébuchet, plus de baliste, plus rien, manquez le choix où. Par contre, quand j'ai les 4 qui se mettent à tirer pendant 10 secondes et qu'il n'y a rien qui tombe, enfin pendant 30 secondes. J'ai eu
peur qu'il y ait une guerre. Faut que je pense à relancer les trêves après. Je m'en fous, je pense qu'il doit y avoir une pénalité ou on doit pas pouvoir déclarer une guerre, je sais pas, hein, je m'en moque un petit peu d'ailleurs. Mais ouais, faut que je fasse quelque chose assez rapidement pour relancer les trêves. Pour pas que les Kuzeites et les Aserai me tombent sur le dos alors que je suis pas prêt. Et moi je veux offrir une trêve à mes seigneurs, qu'ils se refassent leurs armées. Voilà, on n'est pas à l'abri de... On n'est pas à l'abri d'avoir un malheur. Enfin malheur. Merde! Pardon. Ouais, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes, donc autant y être préparé. Ouais, vas-y. Allez, bah va pour le clan Brannock. Bon, en plus, si c'est un château par ici, c'est un gars de... C'est un gars de là, donc ouais, en soi, ça me gêne pas. Et oui, là, tous mes seigneurs me détestent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bordel de... Excusez-moi, les amis. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est un bug. Oui, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Plusieurs fois, je disais, c'est bizarre, je déclare la guerre, je déclare la paix, ça vient d'où, pourquoi, comment? Non? Ouais, ça y est, on atteint les 97 et vous croyez quoi? Vous croyez quoi que ça... T'as de la chance que... Purée, chat! Ah, merde! Ah, on y était presque! Ah, j'ai les... Ah, vous sentez l'énervement qui pointe, là? Ah, bordel! Ouais, on va dissoudre l'armée. On va dissoudre l'armée. On va dissoudre l'armée. Je vais chercher des vivres. Et je vais revenir. Je vais leur déclarer la guerre, mec. Ça va être... Ça va saigner. C'est simple, ça va saigner. Ah, c'était un de mes alliés qui se faisait attaquer. J'ai pas fait gaffe. On va acheter des produits. Voilà, je vais acheter des céréales à mort. Ouais, t'inquiète. Où c'est qu'on retrouve des céréales encore? On part d'ici. Ah, ma cité est loin, là, quand même. Ma cité est loin. Là, il y a du bois dur, du mouton... Donc là, ça a tenu. C'est là que les Aserai... Ah ouais, purée, les Aserai, j'avais pas fait gaffe, mais... Ah oui, ils ont bien blob. Ils m'ont piqué Zeonica, Amitatis, Poros n'était pas à moi. Et bah, les Aserai, on va quand on commencera à les poutrer, on les poutera par ici, là. Va falloir qu'on les chasse d'abord d'ici. Je pense qu'on se fera les Aserai avant de se faire les Kuzeites. Quoique les Kuzeites me font bien chier aussi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle est où la cité la plus proche là? Il n'y a pas quelque chose là? Du port. Bois dur, j'avais dit. Bon, on va aller à la cité d'à côté. Ah, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Ça va saigner. Ça va saigner. Alors. Ouais, mes relations augmentent, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, sûrement dû à mes vassaux, ou il y a des trucs qui se passent quelque part qui fait que ça passe bien. Je sais pas quoi, mais il y a des choses. Donc, ce que je voulais, se rendre à la forge, non, place du marché. Je vais racheter des vivres, je vais vendre tout ce que je peux vendre. Il y a 82 000 balles. Vendues. Hop. Alors, dans les boucliers, on a quoi? On va partir du haut. Arc. Purée, il va le cher, oh. Il va le cher pour la mère que... Exigence, vous voyez, le niveau d'exigence?
Vitesse 110, ouais, mais 66 de perforation, 85 de précision, 80 de vitesse de projectile, ils sont pas si bien que ça, quoi. Ils sont pas si bien que ça. Elles sont beaucoup plus perforantes. Il y en a beaucoup moins, hein, mais elles sont beaucoup plus perforantes. Comment je fais? Il faut que j'en prenne deux? Ouais, ça veut dire qu'elles ont moins de pénalités. Elles ont moins de pénalités. Bon, on va se faire ça. Parce que sinon, on va les foutre sur la paille. Mon bouclier, je veux le garder. Lui, je veux garder. Ça, on va garder. L'arc long noble aussi. Allez, on va partir dans l'autre sens. J'en ai quand même. Ah oui, mais ça, c'est parce que je dépouille tout le monde. Hop, on va partir dans l'autre sens. Des pierres. Non, Joe, sérieux, arrête avec tes modes, quoi. Ok. Et les carreaux d'arbalète, c'est paf. On a 21 000. Flèche fragmentée. Hop. Arc de chasse. Arc de rôdeur. Les petits boucliers de merde. Voilà, vous allez voir, on va réussir à se faire de la place. On est toujours trop lourd, hein. On est toujours trop lourd. Et de 1000 à peu près. Hop, là ça se passe bien. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas. Il faudrait que je fasse fondre sinon les arcs, les trucs. Pas les arcs, pardon, les armes. Voilà, ça y est, on est repassé dans le positif. 68 000. Faudrait que je me débarrasse des trucs qui pèsent lourd d'abord plutôt que ce qui valent cher. Genre, ça doit peser ça. Oui, pour 4,7 à l'unité. Rondage. Ouais, les boucliers, ça doit être lourd ça, des trucs comme ça là. Ils ont plus de fric déjà. Ils ont plus de fric déjà. Oui, je sais qu'ils ont plus de fric, je sais que j'aurais pu leur acheter la bouffe en même temps, mais je m'en fous. Je m'en fous, j'ai 5 millions de deniers. Ce qui comptait, c'était surtout que je me débarrasse du reste. Ah, je mets la cité dans le match, j'en ai rien à faire. Je sais, ça, si c'est une nouvelle cité, le faites surtout pas, les gars, c'est la pire des conneries du monde. Ne vous amusez pas à faire ce que je viens de faire, ne faites surtout pas ça. Surtout pas, hein. Mais vraiment pas, hein. C'est la pire des conneries que vous pourriez faire, parce que vous allez créer une situation de pénurie alimentaire dans votre cité, vous allez pleurer pendant 3 semaines derrière. Alors là, je fais en sorte de ne devoir rien payer. Si au passage, je peux m'alléger un peu, je vais pas me gêner. Voilà. Diplomatie. Alors, Cusate. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'une trêve? Ouais, je prends. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais encore d'une trêve? Ouais, là je vais me gaver là. Là je vais me gaver. Parce que le 31, je sais pas si c'est 31 jours ou 30. À mon avis, c'est 31 jours. Ok. Ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais faire pareil avec les Aserraï. Voilà, entrer en discussion avec le leader. On va en remettre une couche. Qu'est-ce que tu dirais d'une trêve? Hop, on repart pour 31 jours et combien t'es prêt à me donner? Ah, on le fout à poil lui. Allez, tiens, t'as plus de fric. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait. Nanana. Attendez là, vous croyez quoi là? J'étais en train de me plaindre qu'on était en guerre systématique et dès qu'il m'offre la trêve, la première chose que je fais, c'est quoi? Non! En plus, c'est moi! C'est moi qui ai déclaré la paix! Non, non, non! Il n'y a pas de paix! Il n'y a pas de paix qui tienne! On est bien avec la Batania là, hein? Ouais, Batania.
Mais j'ai pas demandé de trêve avec ces fumiers, bon Dieu! Oh là là! Ah ouais, on peut pas déclarer la guerre? Et les piller comme des sauvages? On peut les piller comme des sauvages? Oh, n'empêche qu'on leur avait bien roulé dessus. Hein. Je veux mon épouse. Merde, elle est déjà dans une armée. Allez. Vous venez avec moi. On va essayer de... Regardez ce qu'on va faire. Le bel acte de traîtrise, si on peut. Attendez, sauvegarder avant de faire une connerie. Enfin, une connerie. Moi, j'assume ce que je vais faire. Ouais. Eh, que voulez-vous? C'était pas mon ennemi? Ah bon? Ah si si, je t'assure. Petit con, elle est où la trêve là? Hein? Elle est où ta trêve? Allez. Merde, j'ai oublié d'activer mon mode. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah purée, c'est une forêt. Alors, deux... Archer, stand apart! Infant, form a shield wall! Footman, move! Ah merde, c'est trop. Move! Forward! Move! Omen! F3. Loose formation! Infantry, raise your shield! Bowman! Move! Soldiers, forward! Infantry! Sergeants, take... Mounted archers, take over command! Footmen! Forward! On va se redéployer comme il faut. Archers! Forward! Infantry! Move! Move! Archers! Sergeants in infantry! Follow your sergeants! Allez. Bon bah ça sera plutôt bien passé. J'ai eu un peu de perte. En effet, j'ai eu un mort. Un guerrier vétéran sturgien. D'accord. Bon là c'était, c'est rien hein. Là on s'amuse là. On fait que mumuse. Ouais t'es mon prisonnier ouais. Ouais ouais. Et tu sais quoi? Ouais ouais toi aussi t'es mon prisonnier. Ouais ouais y a pas de problème. Et tu sais quoi? Enfin vous savez quoi surtout? Vos têtes. Hein. Non non excusez-moi. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Faut être politiquement correct. Je voudrais pas choquer les plus jeunes. Je vais pas dire que je vais les décapiter. Que je vais jeter leur chien, leur cadavre. Et que je vais les laisser bouffer par les corbeaux. Non non. Non, non, faut pas dire ça. Faut être courtois, faut être poli envers de nobles adversaires. Je vais vous raccourcir d'une hauteur de tête. Voilà. Donc ils vont juste être un peu plus petits qu'avant. Il leur arrivera rien de mal, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ce sera dans l'ordre des choses, hein, on va dire ça comme ça, c'est la vie. Hein.
Ouais, guerrier picte. Pictish. Ouais, les pictes, ils étaient pas non plus à poil, faut pas croire. Hein. Enfin bon, l'iconographie du cinéma, ça fait beaucoup de mal à la réalité. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme le soldat romain qu'on voit avec sa belle armure, etc. Après, ce qu'il faut pas oublier sur le soldat romain... Attendez, on va voir si j'arrive à vous en trouver un avec mes prétoriens. Non, on va dire que ça, c'est un soldat romain. Le casque du soldat romain, en fait, ils ont emprunté beaucoup au... À qui ? Aux Gaulois, pour les joues, et pour le cache-nuque. Mais bon. Allez, hein ? Bye bye ! Barabos, lui je l'avais déjà capturé, j'avais laissé partir il me semble. Ou sinon il avait un cousin que j'ai exécuté. C'est pas... Sa tête me dit quelque chose. Parce que je suis presque sûr que j'avais laissé partir une fois. Donc, oui, je raconte tellement de conneries. Oui, tout à l'heure je vous disais, c'est un bug du jeu, cette proposition de paix. Oui, je n'ai jamais demandé la paix. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé à être en guerre. Mais pourquoi je suis pas en guerre ? Je suis pas en guerre là ? Oh, ils m'ont encore redéclaré la paix ou j'ai redéclaré la paix dans la foulée ? 16 000 d'influence ! Ouh, c'est beau ça ! Et si je l'attaque, ça fait une action hostile ou pas? Non, je vais être sympa, je vais pas attaquer les caravanes. Je préfère attaquer tous leurs seigneurs, là. Fadon. Bah oui. On a déjà tué Penton et Jassion, on peut tuer Chalia et Fadon, moi. Je suis ici pour te livrer mes exigences. Ouais, je répète, rendez-vous combatté. Batania a déclaré la guerre à Empire de Calradia. Batania et Empire de Calradia ont fait la paix. Vous voyez? Je sais pas d'où elle sort, cette trêve. Moi, je l'ai pas dit. C'est pour ça que ça annule la guerre, en fait. Mais moi, ça me gêne pas. Hein. Je vais éradiquer leur seigneur sans même être en guerre avec eux. Elle est pas belle, la vie? Alors... 2, F3, F3, 1, F3, F2, 3, F6, 4, F6. Ils viennent ou quoi? On dirait qu'ils viennent. Forward! Forward! Infantry! Forward! Ça, c'est un beau tir. Allez. Ah mal, j'ai manqué. J'arrive pas à avoir assez de vitesse.
tant pis, on n'y arrive pas avec la lance. J'ai encore eu des pertes. Non, un seul blessé. Je crois que c'est un cavalier archer. Ouais. Je l'ai vu tomber tout à l'heure. Bon. Ce qui est bien, c'est que on a beau leur taper. Pardon. Excusez-moi. Ah. Vous, je sais pas si vous voyez le décalage, mais moi, je vois ma souris qui bug. Pour moi, ça buguait. Je vous reprends. Tout le monde. Bah ouais, hein. Plantage. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ah, c'est comme ça, hein. Ça arrive. c'est con, mais ça arrive. On va essayer d'attraper ce groupe, là. Du coup, c'est ceux qu'on avait eu. Hop. On va les attraper. Oui, Fadon, je suis ici pour te livrer mes exigences. Je t'offre encore une dernière fois, je te le répète. Donc vous voyez, guerre, trêve, enfin guerre, paix, parce que trêve. Ok, on va attaquer. Ils étaient pas plus nombreux que ça tout à l'heure quand j'avais attaqué. Alors, et j'ai même pas relancé le mode vocal, tiens. Archers, stand up, those, make a shield wall. Allez, on va se faire ça comme ça. Il bouge pas, hein? Si. Si, il bouge. Bowman! Infantry! Move! Les cavaliers. Infantry! Sergeants, take command! Donc ils se divisent en deux groupes pour faire leur formation. Moi je vais prendre... Mounted archer, follow me! Les archers montés, leur demander de me suivre. Ah, je me tape des shoots de FPS quand je suis comme ça, là. Allez les gars, on se replie gentiment. On va les laisser venir sur nous. Infantry! Sergeants in charge! Allez, j'essaie de me faire leur seigneur.
m'est tombé. Ah, je l'ai manqué. J'ai revenu à la flèche pour pas tirer sur un de mes hommes. Donc on voit que la cavalerie a chargé dès que l'ennemi est arrivé au contact. Ce coup-ci, zéro blessé. Je sais qu'il y a un de mes Butchellari là, qui a perdu son cheval. Parce que je l'ai vu tomber. Voilà. Ouais, on va prendre des prisonniers. On va prendre des chevaux. Après, il y a quoi qui est de la valeur? De toute façon, on est déjà blindé. Hop, on sauvegarde. Voilà. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je peux remettre le chrono en route. Hein, je vous fais cadeau de ce qui vient de se passer. Ok. On n'est toujours pas en guerre contre eux. Bon, bah on va les attraper un par un. Moi, ça me gêne pas, hein. Ça me gêne pas, c'est de l'exploit. Je pense que c'est de l'exploit, là, honnêtement. À mon avis, c'est de l'exploit. Mais moi, ce que je veux, c'est la guerre. Le problème, c'est qu'on peut pas parce qu'on est en trêve. Il y a un crétin qui a signé une trêve. Et le crétin, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, comment voulez-vous? Footman! Archers! Stand up, footman, shields up! Arrows! Forward! Forward! Infantry! Footmen, follow your sergeants! Horse archers, follow me! Mais c'est qu'ils attaquent? La cavalerie charge, mon dieu! Take over command! Je sais pas où ils sont. Là, il y a un archer là. Là, il y en a un là. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. On a perdu un ou quoi? On a eu un mort. On a eu un mort. Là, un volontaire batanien. Bon bah écoutez, ça arrive. Ouais bah t'es ok. Fort. Bon les amis, hein, vous connaissez... J'ai fait laisser partir? Ou je peux pas les capturer du simple fait qu'on soit pas en guerre? Ah si c'est ça, c'est fourbe. C'est fourbe si c'est ça les amis, hein. Franchement, non, non, non. Alors. Ouais, il leur reste encore quelques territoires par ici à eux, là, au schnappant, là. Ouais, donc ça, c'est moi qui l'avais repris personnellement, cette zone-là. Je m'en rappelle bien. Ah, mais c'est vrai qu'il aurait ce château tout là-haut. Je l'avais oublié. J'oublie toujours celui-là. Il y a des chances que je leur laisse ce château, parce que je vais peut-être avoir la flemme d'aller leur choper.
Je pense que je vais peut-être avoir la flemme d'aller leur choper. Il n'y a pas d'autres seigneurs qu'on peut aller... Tiens, Ilmir, là. Mais... Ah, mais non, c'est qu'ils se ressemblent tous, en fait. Ouais, ouais, j'ai pris plein de choses. Ah bah, on est toujours sous le régime de la trêve, les amis. Bah écoutez, je pense que l'épisode va s'achever, qu'on n'arrivera pas à déclarer une guerre. Et j'ai pas signé la trêve avec la Batania, pourtant, je suis presque sûr. J'espère que j'ai pas fait une connerie, que j'ai pas fait une trêve avec la Batania. Non, 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 je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai si j'avais fait une trêve avec la Batania. Alors de... Bowman, loose fire, in fact, form a shield wall. Archers. Ouais, dis donc, ça fait un sacré pack à traverser tout ça. Move. Horse are to follow your sergeants. Ça, c'est pour le dire. Footman, forward. Soldiers! Sergeants, take command! Allez, donnez-leur l'enfer. Bon bah d'accord, ça c'est fait. Les 24. Non. Pouf. Allez, on prend les prisonniers. Ok. Bon bah on continue. Et ça choque personne là, je les attaque autant que je peux, mais je peux rentrer dans leur cité comme si de rien n'était. Y a pas de problème les amis, c'est open bar. Alors. Ouais, on va prendre les chevaux quand même, les mules. Ok. J'ai pris les mules. En échange. Non, on va leur vendre des armures, là, et tout ce qui pèse... Ça, on va garder, quand même. Attendez. 48. J'ai pas la meilleure des armures ? C'est quoi, la différence ? Ah, là, des écailles en... Ah, ça, ça vient se poser par-dessus. Ah, celle-ci me protège mieux les jambes, celle que j'avais. Et elle, elle me protège mieux les bras. On va essayer de regarder la différence. Donc là, on voit qu'il y a ça. En fait, l'autre, elle n'a pas cette partie-là comme ça. Pas exactement la même.
Si on regarde, en fait, elle a comme un renfort en plus par-dessus. Là, c'est comme si elle avait des côtes de maille à la place. Vous voyez, elle a des écailles en plus plutôt que des plaques. Ouais, bah écoutez, on va garder celle-là. Je sais pas sur qui je l'ai piqué, par contre, celle-là. Bah, on commence à être vachement badass, quand même. Hein. On est badass. Hein. Ah ouais, non, franchement, on est badass. Pareil, niveau du casque, je sais que j'ai pas le meilleur casque. 58. Il était déjà à 58 avant. Je crois que j'en avais trouvé un qui protégeait mieux. Voilà, je savais bien que j'en avais trouvé un qui protégeait mieux. Le casque de Teutonique, là. Non, mais on est l'empereur, faut qu'on ait une couronne. Faut qu'on ait une couronne, quand même. Non, non, quand même. Alors, on va partir du bas. Hop, on se débarrasse de ça. Et on va se débarrasser tout ce qu'on peut. On va récupérer un petit peu d'argent, mais l'argent, je vous avoue que je m'en fous un peu. C'est surtout me débarrasser des choses qui me servent à rien, quoi. En fait, c'est que j'en ai tellement, c'est que je ferais bien ça, tout vendre, mais le problème, c'est que je sais que je vais perdre énormément d'argent. Bon, après, je suis plus à ça d'argent près, mais c'est pour le principe, quoi. C'est pour le principe. Après, si je voulais vraiment m'alléger... Eh, pour l'instant, j'en suis à c'est moi qui paye. Hein. Hop. Ok, si je me rends à la taverne, je peux recruter ou pas? Oh, bah, on va rançonner les prisonniers. Ouais, j'en ai partout. J'en ai partout. Retourner au centre. Attendez, je vais voir mon clan d'abord. Clan, groupe. Non, membre. Oui, oui, j'ai là une ribambelle d'enfants. Je crois que la première a 8 ou 9 ans, donc j'ai encore un petit peu de temps avant de la voir. On a 8 sur 8, malheureusement. Tial, Sibir. Les groupes, c'est blindé, je peux pas en recréer. Ouais, c'est mes caravanes qui se sont fait attaquer, hein, les deux. Pouah. Tu sais quoi, c'est même pas la peine. Des fois, y mettre un gouverneur, c'est pire que rien à voir. Ouais, qu'est-ce que je voulais y faire? Place du marché? Non, bah c'est fait. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je suis un peu désappointé. Je vous le cache pas, je suis un petit peu désappointé. Ouais. Moi, je voulais leur taper sur la gueule, quoi. Je voulais vraiment leur taper sur la gueule. Là, on voit qu'il y a mon renfort qui arrive. Mais bon. Et le prince, si, le prince, il fait quoi, le prince? Non, non, non. Taverne, le prince. Ouais, et toi? T'es un escroc. T'es un escroc. C'est à lui qu'il faudrait que je fasse une caravane. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je souhaite la bienvenue aux petits nouveaux. Il y en a quelques-uns qui rejoignent comme ça, un petit peu en cours de route. N'hésitez pas à faire des retours en arrière, parce que si vous découvrez la série au 50e épisode, vous avez manqué la partie la plus intéressante. Au 50e, c'était déjà le rouleau compresseur. Il y a une autre série aussi que j'avais commencé avant. Pour formation, c'est la deuxième série, hein, pour ceux qui débarquent. Donc, si vous voulez me voir tâtonner, débuter, faire des choses pas forcément très logiques, n'hésitez pas, hein, c'est rigolo. Allez, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao tout le monde !